Shiva, Shiva, Sarveshwaraya, Shambho, Shambho, ನುಡಿಯೊಳಗಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಕೂಡ
ಮಂಗಲ ಸಂಗಮ ದೇವನೆಂತೊಲಿವನಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನೆಂತೊಲಿವನಯ್ಯ ನುಡಿದರೆ ಮೂತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮೂತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮೂತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮೂತಿನ ನುಡಿದರೆ ಮೂತಿನ ನುಡಿದರೆ ಮೂತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ಜಯ 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 ಮಹಾದೇವ ಜಯ 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 ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಶಂಕರ ಆದಿ ಅನಂತ ಶಿವ ಶಂಕರ ಆದಿ ಅನಂತ ಜಯ 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 ಮಹಾದೇವ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಆ ವೂ ಟೂಸ್ ಓ ಕೆ ವೂ ಸೋಯೇ ಡೋಂಕ್ Finally in India. En Inde. Dans une semaine, la majeure partie du confinement sera levée. Pas au Tamil Nadu. Pas dans le Maharashtra, pas à Mumbai, à Chennai, peut-être pas à Delhi. Eh bien, le nombre de personnes infectées et le nombre déplorable de décès sont en augmentation presque partout. Mais il y a des préoccupations économiques que les individus, la société et une nation et le monde doivent prendre en charge. Donc nous devons nous ouvrir et faire des choses. Et en outre, si vous n'étiez pas très compétent dans ce que vous faisiez, vous pourriez avoir complètement oublié comment le faire, si on vous donne une si longue pause. Un jour, c'est arrivé, comme d'habitude, Shankaran Pillai se plaignait de... Vous savez, la plupart des gens pensent que leur patron est stupide. Donc, Shankaran Pillai se plaint du degré de stupidité de son patron. Alors la femme dit, s'il était plus intelligent que ce qu'il est, tu aurais perdu ton emploi depuis longtemps. Donc, il y a de très nombreux aspects dans la vie, il faut que ça reparte, quelles qu'en soient les conséquences, malheureusement. La conséquence ne sera peut-être pas agréable, mais inévitablement, le monde doit s'ouvrir. Je pense que l'Inde s'ouvre de façon judicieuse. Heureusement, les zones de forte infection sont limitées à probablement une vingtaine de districts dans tout le pays. Sur plus de 700 districts, seuls 20 districts sont un véritable défi. Donc, ils isolent ces districts. Eh bien, la levée du confinement est à un niveau, une libération psychologique pour les gens. Mais en termes d'économie, ça ne peut pas vraiment exploser, parce que les déplacements entre États sont limités, les mouvements entre districts sont limités.
Les marchandises peuvent se déplacer, mais les gens ne peuvent pas se déplacer. Avec tout ça, je pense que c'est une façon judicieuse de s'y prendre. Simplement réouvrir en grand pourrait être une folie. C'est bien, du moins en Inde, que ça n'ait pas lieu du fait des compulsions des gens. Je veux me faire couper les cheveux, je veux boire un verre, donc je sors. Non, je me fiche de ce qui arrive à d'autres. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dans la mesure où l'on peut agir de manière responsable et ouvrir, c'est dans cette mesure que c'est fait, c'est bien. Eh bien, les États-Unis ont atteint plus de 105 000, et le Royaume-Uni essaie rapidement de rattraper son retard. Pour un petit pays, une petite île, je suis désolé, je ne devrais pas dire ça, une grande île comme ça. Je pense qu'ils ont franchi les 40 000, c'est ça? 40 000? Quelque chose comme ça environ. Juste à côté des États-Unis. Mais l'Amérique du Sud devient très contagieuse, de façon irresponsable. Certaines choses ont été faites et maintenant ils en paient le prix. Un très grand nombre de décès au Brésil et d'autres pays pourraient également suivre. Donc, en ce sens, je dirais qu'en grande partie, la plupart des pays asiatiques ont fait mieux que les nations européennes et les deux Amériques. Le Canada, je crois, est sous contrôle parce qu'il y a toujours une distanciation sociale là-bas, je crois. C'est un grand pays avec peu de gens. Donc, dans des moments comme ça, où on avance sur un fil, d'une certaine manière, sans savoir quelle sera la situation le lendemain. Je dois répéter ceci, on ne sait toujours pas ce qu'est ce virus, ce qu'il peut faire. On sait certaines choses, mais on ne sait pas tout. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est un virus, ce n'est même pas une vie à part entière, c'est juste un tas de produits chimiques avec un certain matériel génétique dedans. Ce n'est pas comme une créature qui peut manger, prospérer et se reproduire, non. C'est juste une réaction chimique d'un certain type avec un peu de substance génétique, c'est une demi-vie. Gérer une demi-vie est un peu difficile. Si c'était pleinement une vie, on pourrait découvrir ce que c'est. C'est une demi-vie. Donc, on n'a pas vraiment compris grand-chose d'elle. Il n'y a pas de voie scientifique claire qui dit « ceci est la nature de ce virus, c'est ça qu'il va faire, et c'est ça qu'on peut lui faire ». Une telle voie n'est pas encore présente. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Si l'on regarde l'histoire des attaques de virus, des attaques majeures qui ont lieu dans le passé, eh bien, normalement, ce qu'on prend toujours pour référence, c'est la grippe espagnole de 1918, et quelque part dans les années 1800, une autre, et la peste, et des choses comme ça. Les pandémies, qui n'ont pas toutes été provoquées par des formes de vie similaires, elles étaient différentes, mais en regardant ces cas, même à l'époque, on n'a pas compris ce que c'était. Mais d'une manière ou d'une autre, au bout d'un certain temps, ils sont morts d'eux-mêmes, ou ils ont appris à vivre avec nous. Beaucoup de gens qui se battent, au bout d'un certain temps, apprennent à vivre ensemble, vous savez. Exactement pareil. Le virus pourrait apprendre à vivre avec nous, sans nous causer trop de tort. Tout un tas de gens vivent avec d'autres, pas nécessairement par amour, mais simplement parce qu'ils ne font pas trop de mal. C'est ok. Donc le virus aussi pourrait devenir comme ça, il ne fait pas trop de mal. En Inde, le taux de récupération dépasse les 47%, je crois, ce qui est probablement le plus élevé au monde. En fait, il pourrait être beaucoup plus élevé, parce que le nombre de gens testés, parmi eux, il est de 47%. Il pourrait y avoir autant de gens qui ne sont pas testés, ou plus de gens qui ne sont pas testés. Ils se rétablissent simplement, sans même aller chez le médecin.
Donc, notre taux de récupération est extrêmement bon. Pour cette raison, cet assouplissement du confinement, un assouplissement calibré du confinement, pourrait fonctionner plutôt bien, à part dans quelques villes où la concentration de population est élevée. Et puis, dans beaucoup de ces villes, les niveaux de pollution et autres, leur mode de vie, etc., leurs systèmes immunitaires ne sont peut-être pas les mêmes que dans les plus petites villes et dans les villages et au centre de yoga, bien sûr. Donc, on pourrait s'en sortir assez bien. J'ai le pressentiment que d'ici la mi-septembre, on sera presque dans une activité économique normale dans ce pays. Je ne peux pas dire la même chose de beaucoup d'autres nations. Mais c'est juste un sentiment. Je n'ai pas de données pour étayer ce sentiment. Aucune donnée ne prouve cela. Mais d'une certaine manière, j'ai un fort sentiment qu'à la mi-septembre, les choses devraient être presque normales en termes d'activité dans le pays. Mais sans que le monde ne redevienne normal, le pays risque de ne pas pleinement revenir à la normale parce que les voyages internationaux et l'import-export international de marchandises, toutes ces choses doivent avoir lieu, autrement il n'y a pas de normalité absolue. Mais toujours est-il qu'en ce qui concerne nos déplacements, d'ici septembre, on doit être bien à 100% OK dans ce pays. C'est mon sentiment. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de... Vous savez, aucune donnée n'appuie cela actuellement. J'espère que ces données vont arriver dans les prochaines semaines. Eh bien, ceci est la nature de la vie. Vous vivez avec force, mais vous allez vous coucher, vous endormez. Vous êtes comme mort, vous savez. Vous êtes presque comme mort. Vous pensez que vous vivez, mais en réalité, vous mourrez aussi. Donc il y a une dimension de la vie qui est comme une zone crépusculaire. C'est pour ça que pour ceux qui sont sur le chemin spirituel, Adi Yogi, Shiva devient très important parce qu'il est un crépuscule. Certains de nos photographes prennent des photos d'Adi Yogi au crépuscule, elles se révèlent absolument fantastiques. Lui-même est crépuscule. Il est là, mais pas là. Zone crépusculaire. Absolument exubérant, enivré, zone crépusculaire. Un yogi vraiment merveilleux, magique, mais un homme fou. Donc zone crépusculaire. Vous ne pouvez jouer à la zone crépusculaire que si vous stabilisez votre organisme. Si vous devenez tel qu'il n'y a pas un iota de compulsion en vous, alors vous pouvez jouer le crépuscule. Sinon, si vous n'êtes pas si stable, si vous allez dans la zone crépusculaire, vous allez être aspiré dans l'autre. Si vous êtes une vie très forte, vous pouvez jouer avec la mort. Il y a une immense excitation à cela. Oui, parce que regardez juste le nombre de choses impossibles que font les êtres humains, des choses dangereuses, juste pour sentir ces petits papillons dans l'estomac, vous savez. Les gens sautent depuis des montagnes, grimpent des montagnes, volent, font ci et ça. Tout ce que vous considérez comme une aventure, c'est en réalité jouer avec la mort. Quand vous jouez avec la mort et que vous réussissez à vous en sortir, ça s'appelle l'aventure. Si vous ne vous en sortez pas, les gens vont dire que vous êtes stupide. C'est tout. Donc, si vous faites quelque chose de stupide avec succès, ça c'est appelé l'aventure.
Si vous avez fait quelque chose de stupide, mais ça n'a pas réussi, alors c'est juste stupide. Donc tout est noir et blanc. Quand vous regardez la vie dans un certain contexte, mais si vous vous élevez un peu et regardez ça, tout est crépuscule. Tout est ici et là. Ces jours-ci, vous savez, avec ces webinars et conférences, il y a un problème. Je lève la main gauche, ma main droite monte à l'écran. Confondre les mains, je pensais que ça n'arrive qu'aux femmes. Mais je regarde là, je lève la main droite et ma main gauche apparaît. Il y a une chanson très célèbre en Télégou, les Télégous la connaissent. Donc pas de problème si la droite devient la gauche devient la droite, pas de problème. C'est ça le yoga, parce que yoga signifie union. Il n'y a ni ceci ni cela, il n'y a que ceci et ceci. C'est une zone crépusculaire. Vous êtes dans la vie, mais vous jouez toujours avec la mort. Vous êtes super alerte, mais vous êtes enivré. Toutes les dimensions de la vie sont en vous en même temps, mais vous n'avez pas été pris par aucune d'elles. C'est ça l'important. Donc, dans ce contexte, j'ai commencé à écrire une série de poèmes appelée « Quand ?». Et je me suis dit que, comme maintenant, vous savez, je ne suis qu'un enseignant spirituel à mi-temps et un peintre à temps complet. Je me suis dit que j'allais aussi y ajouter une image. Puis-je avoir le poème? Puis-je le lire ou... Non? Si vous mettez celui-là ici, je peux le lire. Quand un homme et femme, un oiseau, une fleur, le rouge et bleu, vie, mort, crépuscule. Laissez-moi le lire à nouveau. When a man is woman, bird a flower, red is blue, life, death, twilight. Well, eh bien, you know, vous savez, quand j'étais jeune, j'ai vu quelques personnes peindre, mais je ne voulais même pas regarder parce que je me disais que c'était trop chochotte pour moi de même m'asseoir là et de faire quelque chose comme ça. J'avais toutes sortes d'autres activités qui étaient un autre genre de défi. Je me disais que c'était pas pour moi. Je ne dis pas ça de manière péjorative, mais je me disais c'est quelque chose que certains font, en grande partie des femmes, parce qu'elles ont cette patience pour s'asseoir et dessiner quelque chose. J'étais bien avec ce qui est déjà là, dans l'existence. Je n'avais pas besoin de le peindre. Et je ne suis jamais allé à un cours de dessin ou un cours de peinture. Mes cahiers de dessin étaient toujours vides. Je n'ai même jamais rempli un cahier de coloriage de ma vie. Mais me voilà, assis toute la nuit. Le virus. Donc, il y a beaucoup de préoccupations dans la vie.
Mais la plus grande préoccupation dans votre vie devrait être que vous n'êtes jamais sorti d'un moule stupide dans lequel vous vous êtes mis. Cela est la pire chose qui puisse arriver. Quel que soit ce moule, vous n'en êtes jamais sorti. Cela veut dire que vous avez utilisé les instruments d'aide et les structures qui vont apporter une certaine dose de certitude et de sécurité en tant qu'outil d'emprisonnement. C'est ce que ça signifie. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être psychologique, émotionnel, physique, des conforts physiques, des conforts psychologiques, des conforts émotionnels. On a créé quelques structures afin que chaque jour, vous n'ayez pas à vous occuper de tout. C'est ça l'idée, de créer une certaine stabilité autour de nous. Mais si cela devient votre prison, c'est l'histoire la plus triste de toutes. Eh bien, vous vous êtes battu, vous étiez en plein désastre. Un désastre se produit en ce qui concerne votre carrière, ou votre mariage, ou votre... peu importe, ok? C'est ok. Mais le plus grand désastre, c'est vous avez construit votre propre prison et vous n'avez jamais pu en sortir. Vous êtes toujours resté en confinement. Eh bien, cela devrait être la principale préoccupation. C'est la préoccupation que le processus spirituel aborde, sans créer d'anarchie. Habituellement, on s'attaque à cette préoccupation en... Vous savez, les hippies ont abordé cette préoccupation. Cassons tout! Eh bien, ils en ont payé le prix et tous sont revenus. Et se sont à nouveau retrouvés en camisole. Parce que vous ne pouvez pas physiquement tout casser autour de vous. Processus spirituel, yoga, veulent dire juste tout casser, mais pas à l'extérieur, à l'intérieur. Parce que c'est là qu'est le problème, et c'est là que la solution devrait être. Donc, zone crépusculaire. La première question est de Chital. Namaskaram Sadhguru. J'ai passé 4 mois à l'ashram. Merci beaucoup pour le privilège d'être confiné en votre compagnie. Ça a été un moment absolument fantastique. Mais maintenant, nous sommes un groupe à partir ce soir. L'ashram est l'un des endroits les plus sûrs sur Terre. Mais maintenant, on est obligé de sortir parce qu'on a des... Non, elle ne peut pas partir ce soir. Peut-elle partir ce soir? Non, n'est-ce pas? Enfin, il y a un couvre-feu en ville, de 9h du soir à 5h du matin. Tous les oiseaux de nuit, je vous le dis. C'est dans tout le pays, je crois, ou c'est juste au Tamil Nadu, je ne suis pas sûr. Est-ce dans tout le pays? Le couvre-feu de 9h du soir à 5h du matin, il est à coup sûr ici. Je ne sais pas si c'est juste au Tamil Nadu ou dans tout le pays. Quoi qu'il en soit, elle ne peut pas partir. Il y a pas mal d'agitation dans nos têtes. Que peut-on faire pour être et nous sentir en sécurité, Sadhguru? Eh bien, il y a du danger à l'extérieur, dans la ville où vous allez? C'est sûr. Si vous allez dans une des 5-6 principales villes du pays, c'est sûr. Si vous allez dans une ville de taille moyenne, c'est un peu mieux. Si vous allez dans une petite ville, bien mieux. Si vous allez dans votre village, vous êtes en sécurité. Vous n'avez pas vraiment à beaucoup vous en soucier. Alors, si vous allez dans une des grandes villes, est-ce qu'il y a un danger? À coup sûr. Eh bien, rien que les moyens de transport, que vous preniez un avion, ce qui est la pire chose à faire en ce moment parce que l'air circule, ou le train, qui est un peu mieux, mais les gens peuvent marcher tout autour de vous, n'importe qui peut monter n'importe où, ça pose des problèmes. Tout le monde ne va pas maintenir la distanciation sociale, ils veulent vous éternuer à la figure. Donc, nous concevons un
some masque, well-designed Isha, bien conçu. C'est un design un peu différent, lequel, j'en suis sûr, suscitera beaucoup de débats, parce qu'il n'a qu'un seul élastique, pas d'élastique en bas. Parce que un des problèmes lorsqu'on porte un masque comme ça, serré, c'est que petit à petit, le niveau d'oxygène de votre sang va diminuer en le portant pendant quelques semaines. Eh bien, ceci est l'un des symptômes de ce virus, que vous avez ce qu'on appelle de l'hypoxie. Vos niveaux d'oxygène n'arrêtent pas de baisser et vous ne vous en rendez pas compte, et les gens s'effondrent et meurent. Alors portez un masque en permanence, ce qui est obligatoire maintenant si vous sortez de l'ashram. Même dans l'ashram, ça l'est, mais comme il y a beaucoup d'espace, parfois vous ne le portez peut-être pas. Mais quand vous sortez dans la rue, dans les lieux publics, dans le pays maintenant, c'est obligatoire. Donc on a créé des masques qui sont longs, mais avec un seul élastique, pour que vous respiriez. Les niveaux d'oxygène ne vont pas diminuer. Eh bien, je suis sûr que certains vont objecter que ça n'a pas de sens. Ceci n'est pas un masque que vous portez si vous allez dans un hôpital avec des infections ou autre. Là, vous avez besoin de ce N95 ou autre. Celui-là est différent. Celui-ci est un masque du quotidien, qui, à partir de maintenant, pourrait commencer à faire partie de la vie de tout le monde, si ce n'est pas tous les jours. Ceci doit arriver dans certaines sociétés, c'est déjà le cas. Quand vous avez un rhume, vous devez porter un masque. Les gens vont l'exiger à partir de maintenant. Pas juste à cause du virus, même si le virus s'en va. Si vous avez un petit rhume, vous toussez, vous devez porter un masque. Cela pourrait devenir un usage dans le monde à l'avenir. Donc, on a conçu un joli masque pour vous. Il est long, pour que vous puissiez respirer. Et si vous éternuez, c'est dans votre propre... confiné, vous n'éternuez sur personne. De même, si eux éternuent, c'est là. Le virus peut-il se propager comme ça? Bien sûr que oui. Mais même si vous en portez deux, si la concentration, si c'est un endroit saturé d'infection, comme un hôpital, alors ce masque-là non plus ne va pas aider. Donc en supposant qu'en majorité vous allez juste au travail, que vous maintenez une distance sociale chez vous, ou que vous marchez simplement dans la rue, ce masque vous rendra assez bien service, et ils sont confortables à porter. On a fait de nombreux designs pour vous. Vous pouvez porter ça. Mais malgré tout, une chose importante, et la seule chose en fait que l'on sait, c'est que ceux qui ont un système immunitaire fort vont survivre. Les autres vont être affectés par ça. Ça, c'est une chose claire. On ne sait rien d'autre sur le virus à part ça. Donc pour ça, comment stimuler le système, une chose est que vous devez continuer à pratiquer, c'est la chose la plus importante. Votre système immunitaire sera très fort, on a suffisamment... Je ne sais pas si vous avez regardé cette discussion avec ce... C'est, vous savez, chercheur de Harvard, de l'école de médecine d'Harvard. C'est quoi? Beth... Comment s'appelle l'hôpital? Beth Israël. Beth... Beth Israël. Ok, le centre médical Beth Israël. Les deux ont fait des recherches sur les pratiques de Isha Yoga et ils ont montré ce qui se passe au niveau des inflammations et des BDNF et d'autres marqueurs montrent clairement que les niveaux immunitaires sont bien bien plus élevés chez les gens qui font les pratiques. Donc enfin maintenant, il se pourrait que dans le monde, les gens se mettent à vraiment pratiquer. Je ne dis pas que vous ne pratiquez pas. Vous le faites. À vrai dire, on a peut-être le plus haut niveau de rétention en termes de pratique dans le monde, parmi les grandes organisations qui enseignent. Donc, tout le monde devrait continuer à pratiquer. Mais il y a une chose de plus sur laquelle on travaille, parce qu'à cause d'un manque de travailleurs qualifiés, qui ont été absents pendant quelque temps et qui reviennent maintenant progressivement, nous créons ce qui s'appelle un kavach ou kavacham. C'est fait à partir de la science qui s'appelle
Rasavaidya, c'est l'alchimie indienne, et c'est fait d'une certaine façon pour que vous puissiez porter ce bracelet sur votre bras. Il y a différentes tailles, si vous le portez là où il peut être vu, c'est une petite taille, mais si vous voulez le porter au mollet ou autre, vous pouvez porter le petit pendant la journée. Quand vous allez vous coucher, vous pouvez porter le grand pour qu'il soit en contact. C'est fait avec la science de Rasa Vaidya et c'est un objet consacré. Ça va à coup sûr stimuler votre système immunitaire. Je sais qu'il y aura beaucoup de débats à ce sujet. Voyez, c'est comme ça. Par exemple, dans le Karnataka, dans les villages, les gens voient ça à 100% comme ça, parce que dans les villages, il n'y a pas de marché de légumes ou quoi que ce soit. Les gens sortent et ramassent quelques salades. Il y a toujours quelques légumineuses ou lentilles. Des salades, des légumineuses et lentilles, et du ragi comme céréales. Si vous mangez ces trois choses, vous vivrez 100 ans. Ce genre de choses. Maintenant, quelqu'un va protester. Où est la preuve? Les gens ont vécu. Les gens qui ont mangé comme ça, une alimentation simple, ils ont vécu très longtemps. Mais aujourd'hui, on en est arrivé là. Ce que l'on sait depuis des milliers d'années et qui marche, ça doit être prouvé dans un laboratoire. Quel laboratoire? Ça doit être dans une des plus grandes universités des États-Unis. Même si ça se passe en Europe, on n'écoute plus désormais. Ça doit venir des États-Unis. Alors seulement, c'est vrai. Du ragi, des salades, des légumineuses et lentilles, et travaillez au champ, vous vivrez longtemps. Aucune preuve. Jusqu'à ce qu'ils étudient 5 personnes dans une grande université et vous disent « Oui, c'est bien le cas, mais ça va prendre 10, 12 ans ou 25 ans. D'ici là, vous aurez mangé toute la mauvaise nourriture et vous ne serez plus là. » Donc, il y aura des débats là-dessus. Mais j'ai déjà expérimenté avec un petit groupe d'individus et ça a marché incroyablement bien. Eh bien, je n'ai eu besoin d'aucune preuve, parce que je sais que ça marche pour moi. Aujourd'hui, je suis en vie grâce à ça. Parce que quand tous les médecins disaient que je ne vivrais pas plus de quelques mois, quand ils ont dit « c'est sûr à 100%, vous ne pouvez pas survivre à ça », eh bien, me voici. Ai-je l'air OK? En fait, si vous m'aviez vu il y a 20 ans, après le Dhyanalinga, comment j'étais et comment je suis aujourd'hui, je suis au moins 20 ans plus jeune, pas 20 ans plus vieux. Donc cela va-t-il marcher? Ça va à coup sûr marcher. Avec quelle efficacité vous l'utilisez? Pendant la journée, vous pouvez utiliser un petit, parce qu'autrement ça pourra avoir l'air bizarre d'en porter un grand en cuivre, ou vous pouvez le porter au mollet, là où les gens ne peuvent pas le voir, ou la nuit, vous pouvez en porter un long. Pendant la journée, vous pouvez en porter un petit. Donc si vous partez, en particulier vers de grandes villes, ce kavacham va faire une différence phénoménale pour vous. Il devrait être prêt, on en a déjà beaucoup, mais il devrait être prêt pour les gens en grand nombre, probablement d'ici une semaine ou 10 jours, très probablement. À l'heure actuelle, ils disent que le 8 juin est le moment où la prochaine étape du déconfinement va vraiment avoir lieu. Le 15 juin est la date fixée, mais dans le Tamil Nadu, c'est 21 jours. Je crois que dans tout le pays, c'est un déconfinement progressif en 21 jours. Dans 21 jours, à coup sûr, ce sera disponible en grande quantité. Donc, ce ne sera distribué sur la base du premier arrivé, premier servi. Si vous en avez besoin, vous le réservez. On ne sait pas combien ça va coûter pour le moment, ça ne devrait pas coûter trop cher, mais cela nécessite beaucoup de travail, donc ça coûtera à un certain prix. Mais ça ne devrait pas coûter trop cher. On ne sait pas combien ça va coûter. Il n'y a que quand on le produira en masse qu'on saura combien ça va coûter. Car c'est la première fois qu'une telle chose est faite. Ce
qu'on a fabriqués plus tôt étaient beaucoup plus chers parce qu'ils étaient lourds et ils étaient faits d'une certaine façon. Maintenant, on a travaillé sur le design et on l'a rendu très léger et facile à porter. Donc ce Kavacham pourrait vous donner assez confiance pour aller à Mumbai. La vibrante Mumbai, malheureusement, est devenue le point chaud. La question suivante est de Ranjun. Namaskaram Sadhguru. Nous sommes au milieu d'une grande crise, et le gouvernement, les citoyens, tout le monde fait de son mieux, mais en même temps, certains ont signé une pétition contre le gouvernement pour avoir décidé de prélever 70% des frais sur spécial corona sur l'alcool. Je suis avocat et j'aimerais savoir si vous pensez que le gouvernement a raison de faire ça. Ils signent des pétitions parce qu'ils ne veulent pas payer cette taxe de 70% en plus. Voyez, si vous consommez quelque chose de façon régulière, quoi que ce soit, ce n'est pas un jugement moral sur les gens, quoi que ce soit, si ça coûte trop cher, vous allez vous plaindre, c'est naturel pour eux de se plaindre. Mais maintenant, le problème, c'est que les gouvernements d'État, ils n'ont aucun revenu, mais ils doivent assurer les services. Nous nous attendons tous à ce que les services soient assurés. Mais nous nous comportons comme si on n'était pas une nation démocratique. Nous voulons que tel, tel, tel et tel service soit en place. Mais qui va payer pour ce service? Où est l'argent? On ne pense pas à ça. C'est comme... Vous savez, certains adolescents seront comme ça. Peu importe où tu le trouves, je le veux, c'est tout. On est encore puéril comme ça. En ce qui concerne la démocratie, on est à vrai dire très immature. On ne comprend pas qu'on a un rôle dans son bon fonctionnement. On pense, vous devez le faire, vous avez été élu, pas vrai, vous vous en chargez. Ce n'est pas la bonne façon de voir ça. En même temps, ceci comporte un autre aspect. Comme il y a un virus, comme il y a du danger et la mort tout autour de nous, le gouvernement va doucement et progressivement commencer à s'introduire dans nos vies, de plus en plus et de plus en plus. Ce n'est pas juste le gouvernement. De nombreuses grandes entreprises dans le monde s'introduisent également dans nos vies, de plus en plus. Si j'ouvre mon téléphone, le fichu Google va me mettre mes propres discours. Comme de nombreuses vidéos me viennent pour être approuvées et ce genre de choses, je les regarde, ou peut-être qu'il reconnaît mon visage. Donc, tout le temps, ingénierie intérieure en ligne. Je suis suffisamment humble, à chaque fois que je vois la pub, j'y réfléchis. En ai-je besoin ? Oh, vous ne savez pas qui en a besoin. Cela arriva. La femme de Shankaran Pillai s'était mise à l'équitation parce qu'elle voulait perdre du poids. Donc au bout de 3 mois d'équitation, un ami de Shankaran Pillai qui arrive chez lui lui demande « Où est ta femme ?» Il dit, elle est à l'équitation, elle veut perdre du poids, donc depuis 3 mois, elle fait du cheval. Oh, est-elle arrivée à perdre du poids? Eh bien, le cheval a perdu 20 kilos. Quelque part, la perte de poids a lieu. La vie fonctionne de nombreuses façons, vous savez. Donc, toutes ces entreprises de la technologie s'introduisent dans vos vies. Elles savent quel genre de musique vous aimez. Elles savent que vous avez besoin d'ingénierie intérieure.
Et ainsi de suite. Tout le monde essaie progressivement de s'introduire dans votre vie. S'introduire dans votre vie, s'introduire dans votre vie. Quand il y a la mort et du danger autour de nous, on va le permettre. Je pense que, en tant que citoyens de cette nation et de ce monde, nous devons tenir le compte de toutes les intrusions progressives qui ont eu lieu dans nos vies à l'ère du virus. Et dès que ce virus disparaît, quel que soit le moment, la première chose qu'on doit faire, c'est que toutes ces choses doivent être reprises. En ce moment, dans certains pays, je ne suis pas censé les nommer, dans certains pays, en ce moment, ils marquent les gens pour contrôler leur température. Pas juste si vous entrez dans un aéroport ou dans un lieu, en ce moment, partout, ils ont ces pistolets. Des pistolets de température. Au moins, ils ne vous mettent pas un thermomètre rectal partout où vous allez. Vous avez certainement de la chance avec cette technologie, vous savez. Donc, ils se demandent en ce moment comment marquer tous les citoyens pour que votre température soit contrôlée. Si votre température augmente, immédiatement des gens vont arriver chez vous et vérifier si vous avez le Covid ou non. Eh bien, une fois qu'ils savent votre température, ils peuvent tout savoir sur vous. Ils peuvent même contrôler la température au bout d'un certain temps. Oui, ils le peuvent. Donc des pertes de liberté pour lesquelles nous nous sommes battus, beaucoup de libertés individuelles pour lesquelles dans chaque nation les gens se sont battus à leur façon et ont gagné quelque chose. Tout cela pourrait être balayé par le virus. Donc dans toutes les nations, les citoyens responsables de chaque nation doivent tenir le compte de tous les empiétements qui ont lieu. Ne protestez pas maintenant, ne créez pas de problème maintenant, parce que le gouvernement a une lourde tâche entre les mains, à la fois pour maintenir la santé, limiter la mortalité, et maintenir le processus économique. Par-dessus tout, assurer les services essentiels, sans aucun revenu y attenant. Ce n'est pas un défi simple, donc on ne doit pas protester ou lutter ou faire des discours sur ça en ce moment. En ce moment, c'est OK, ils vont entrer dans nos vies. Mais on doit tenir le compte. Et dès que le virus est fini, on doit s'assurer que ces choses soient inversées, au moins là où elles étaient au départ. Ceci est une responsabilité importante de chaque citoyen, de toutes les nations du monde. Nous devons être attentifs à cela, autrement, on va devenir la ferme des animaux. Vous savez de quoi je parle? George Orwell, la ferme des animaux. Je sais, vous n'êtes pas plongé dans la littérature, c'est OK. Donc, petit à petit, surveiller, ils veulent connaître votre rythme cardiaque. Déjà, bien des personnes s'y sont mises. Elles portent des bracelets au poignet, leur rythme cardiaque est surveillé. Eh bien, vous pensez peut-être que c'est sécurisant, et ça pourrait l'être, votre cœur fait ça immédiatement, un cardiologue va venir vous voir, ou vous appeler, ou faire quelque chose. Eh bien, vous vivrez peut-être un peu plus longtemps, mais ça peut prendre toutes sortes de proportions. Une fois qu'il y a, vous savez, une incursion dans votre vie, alors, pas juste votre cœur, ils peuvent aussi contrôler votre cerveau au bout d'un certain temps. Donc il est très important, à un moment comme celui-ci, que personne ne crée de problème, parce que la responsabilité et la lourde tâche qui incombe à tout gouvernement en ce moment n'est pas enviable. C'est une responsabilité terrible. Donc en ce moment, s'il vous plaît, ne soulevez aucune de ces choses. Mais quand ce sera fini, nous devons réagir. Au sujet des 70% de taxes sur l'alcool, c'est parce qu'ils savent que c'est la seule chose que vous allez acheter. S'ils savaient que vous allez tous vous inscrire à l'ingénierie intérieure en ligne, ils auraient peut-être imposé une taxe. Non, on a fait 50% de réduction.
Mais ils savent que vous allez de toute façon faire la queue pour l'alcool. Et ils imposent une taxe, ils ont besoin d'argent. C'est aussi simple que ça. Donc ce n'est pas une chose à propos de laquelle il faut protester ou pleurer en ce moment, parce que vous ne pouvez pas taxer la nourriture, les gens ont besoin de nourriture et ils n'ont pas assez d'argent. Tout ce qui est considéré essentiel ne peut pas être taxé. À vrai dire, la taxe doit diminuer, parce que les gens ont des soucis de finances personnelles. Les familles, les petites familles, leurs finances sont un vrai souci en ce moment. Les problèmes de nourriture et d'alimentation ne concernent pas que les travailleurs migrants et les gens très pauvres. Les familles des classes moyennes vont commencer à avoir des problèmes d'alimentation d'ici environ un mois, s'ils ne retrouvent pas leur emploi. C'est déjà le cas, mais ça va augmenter. Tout comme les gens très pauvres ont des problèmes d'alimentation. Les gens des classes moyennes et raisonnablement aisés vont aussi en arriver là, très vite, d'ici 4 à 8 semaines. Donc ce n'est pas le moment de taxer la nourriture, de taxer quoi que ce soit qui est vraiment essentiel à la survie des gens. La seule chose qu'ils peuvent taxer, c'est les choses qu'ils considèrent non essentielles. Mais les gens qui boivent, ils considèrent que c'est absolument essentiel. Je ne veux pas polémiquer. Je ne veux pas entrer dans une polémique, je ne suis pas là-dedans. Mais en ce moment, parmi les choses qu'on peut taxer, on ne peut taxer que les choses qui, même si vous les taxez, quelqu'un va quand même les acheter. On ne peut taxer que ça. Si vous taxez quelque chose qui... Si la taxe est trop élevée, personne ne l'achètera. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour les revenus. Donc, une intoxication un peu onéreuse, si vous voulez facilement de l'intoxication sans frais, vous devez venir me voir. Mais vous savez, cette intoxication-là, je vous mène la vie dure, vous devez vous réveiller à 5 heures du matin et... Mais pas de taxes. Namaskaram, Sadhguru. Comment puis-je rompre mon runanubandha avec mes parents après leur décès? Est-ce que quelqu'un d'autre qui fait le Kalabhairava karma peut s'occuper de mon runanubandha même si je ne peux pas y participer? Eh bien, on a parlé de ça par le passé, mais je ne sais pas quand, où, il y a combien de temps, donc je vais répéter certaines choses. Votre runanubandha avec vos parents ou avec vos enfants est au plus fort jusqu'à vos 21 ans. Une fois que vous dépassez 21 ans, on appelle ça le premier quart. Du point de vue yogique, 84 est le cycle de la vie. Le premier quart est 21. Jusqu'à 21 ans, si vous perdez un parent, ou si vous perdez un enfant de moins de 21 ans, la douleur ne sera pas juste émotionnelle, elle sera physique. Elle va se manifester dans le corps, parce que le runanubandha est fort. Mais après 21 ans, c'est principalement psychologique et émotionnel. Quand on dit runanubandha, ce dont vous souffrez au niveau émotionnel ou psychologique, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de mémoire physique. Les corps ont des mémoires. Comme ce que vous appelez un parent est la base de ce corps, il y a une connexion de mémoire très profonde entre les deux, qui est maximale jusqu'à 21 ans. Une fois que vous passez cet âge, elle est affaiblie. Est-ce qu'elle disparaît? Pas complètement disparue, affaiblie.
Disons que vous avez 42 ans et que vous êtes un homme. Alors, vous avez encore un runanubandha raisonnablement douloureux. Mais disons que vous avez 42 ans et que vous êtes une femme. Votre runanubandha est quasiment négligeable. Non pas qu'il soit absent, il est là, mais très très faible. Donc, la souffrance que vous traversez est principalement émotionnelle et psychologique. Si vous êtes psychologiquement très stable, émotionnellement équilibré, vous verrez que vous pourrez gérer ça avec très peu d'efforts parce qu'il n'y a pas de troubles physiques dans le système. Mais la même personne, si elle perd son mari, ce runanubandha est physiquement douloureux parce que c'est un autre type de runanubandha. Je ne veux pas rentrer dans les détails du mécanisme de la chose, mais si vous avez plus de 42 ans et que vous êtes une femme et que vous perdez un parent, c'est pour ça que dans cette culture, les femmes n'ont pas à faire les karmas. Le karma est fait pour le défunt, pas tant pour vous. Mais si vous avez moins de 21 ans, il est très très important que vous le fassiez, parce que c'est à la fois pour le défunt et pour vous. C'est très important pour vous, parce que la personne qui est morte, ce qui arrive, arrive. Mais votre vie peut être constamment agitée parce qu'il y a une mémoire physique qui vous tourmente à un autre niveau. Même si vous êtes mentalement stable, émotionnellement très équilibré, une certaine tourmente a quand même lieu en vous. Un enfant de moins de 7 ans ou 7 ans et demi n'a pas beaucoup de runanubandha. La mère et le père ont peut-être un énorme runanubandha, mais de l'autre côté, il n'y a pas beaucoup de runanubandha. Ce n'est pas que pour des raisons psychologiques. Un enfant de moins de 7 ans, 7 ans et demi, ne souffre pas beaucoup. Il ne traverse pas cette tourmente au niveau physique. Il peut souffrir du fait d'un manque de soins, et vous savez, ce genre de situations, si elles sont présentes. Donc, quoi qu'il en soit, comment accomplir les karmas et kriyas pour les morts si vous n'avez pas la possibilité de faire quelque chose physiquement? La chose simple est d'entrer dans une période de 3 jours de sadhana. Ici, au centre de yoga, eh bien, comme les gens sont d'origine sociale et géographique diverse, ils n'ont pas tous la possibilité de rentrer chez eux quand leurs parents meurent. Donc, quand cela arrive, ils font 3 jours de silence et de sadhana pour en ressortir entièrement rafraîchi. Parce que, intérieurement, vous pouvez faire ça au-delà d'un certain âge, c'est surtout pour les morts qu'on fait ça. Mais il en reste un élément, ça ne disparaît pas totalement. Nos corps ne sont jamais à 100% libres du processus génétique dont on a hérité de notre parenté. Il y a un moyen d'être au-dessus, mais on n'en est pas totalement libre. Le corps physique fonctionne d'une certaine façon. Donc, seulement 3 jours de retraite et un certain type de sadhana, si vous ne connaissez rien d'autre, faites simplement le Maha-mantra Aum Namah Shivaya intensément pendant 3 jours, autant que vous pouvez, minimum 4 heures et demie par jour. Si vous faites cela, vous n'avez pas vraiment à vous soucier de ça, parce que c'est bien aussi de se retirer, c'est un moment délicat, mais ces jours-ci, la mort et les funérailles et ce qui arrive après la mort, tout ça est devenu une farce sociale. Vous devez recevoir des gens chez vous, vous devez leur servir à boire, vous devez leur servir à manger, vous savez, dans les pays occidentaux, c'est devenu très important, même en Inde. Certaines choses commencent à se développer.
Le mieux est de juste vous retirer de la société et des bêtises, et de prendre un temps pour vous. Quand quelqu'un d'important dans votre vie meurt, il est important que vous vous retiriez et fassiez quelque chose avec vous-même, plutôt que de simplement essayer de jouer le jeu social pour vous distraire. Socialement, le truc, c'est la façon dont les gens gèrent leur deuil, c'est allons au cinéma, allons lire un livre, regardons la télé. Ne cherchez pas à vous distraire. Quand on est perturbé intérieurement, on doit s'y attaquer à bras-le-corps. Ne cherchez pas à vous distraire. Les distractions ne sont pas une solution. Cette question est de Ramesh. Namaskaram Sadhguru. À la suite du programme Ingénierie intérieure, il y a 3 ans, la colère a quasiment disparu de ma vie. L'autre jour, je vous ai entendu dire que Sadhguru Sri Brahma était tellement intense qu'il était toujours en colère. Depuis ce jour, je me pose cette question. Suis-je assez intense? Et les autres qui perdent leur calme, sont-ils plus intenses que moi? Pendant le confinement, on parle après le confinement, d'accord? Pendant le confinement, cela s'est passé. La femme de Shankaran Pillai était allée chez ses parents et elle se retrouve coincée là-bas et lui est coincé chez eux. Alors elle l'appelle à la fin des 2 mois et... Vous savez, tous ces temps-ci, on s'inquiétait de savoir si vous alliez vivre ou mourir, donc tout tournait autour de ça. Mais maintenant, en l'appelant, comme elle est sur le point de revenir, « Comment est la maison? T'en es-tu bien occupé ?» Shankaran Pillai regarde autour de lui et dit, « Eh bien, toutes les plantes de la maison sont mortes. Mais ne t'inquiète pas, certaines, on dirait que certaines poussent dans le frigo. » Donc, ma colère a disparu et c'est bien, mais Sadhguru Sri Brahma était en colère. Eh bien, sa colère était une façon de se battre lui-même, parce qu'il avait une mission unique dans sa vie. Quand quelqu'un a un seul objectif dans la vie, eh bien, regardez-le. Vous avez probablement vu des photos ici. Veerappan aura l'air mignon. Comme ça. Ces jours-ci, je ne sais pas qui fait ça. Ça ne vient à coup sûr pas de la fondation, mais quelqu'un a accès à ces choses et... Ils publient toutes mes photos d'avant la consécration de Dhyanalinga ou... Quand vous avez un seul objectif dans votre vie, vous devenez d'une certaine façon et... Les gens qui ont un objectif unique, les yogis font ce genre de choses. Ils se font piquer par un scorpion parce qu'ils ne veulent pas oublier leur objectif et s'endormir. Une piqûre de scorpion va vous maintenir 24 heures, vous savez, les nerfs seront survoltés. Ou ils vont se couper le doigt et mettre un citron dessus. Ça va pulser. Avez-vous déjà essayé? Ça va faire comme ça, comme une boîte de shruti, la douleur. Donc, vous ne vous endormirez jamais, vous n'oublierez jamais quel est votre but. Donc, de même, vous pouvez faire des choses similaires psychologiquement, vous vous mettez une punaise dans la tête. En permanence, ça fait mal, pour que vous ne déviez pas ici et là. Donc, quand les gens ont un seul objectif, différentes personnes s'y prennent différemment, certaines personnes s'y prennent comme ça. Il n'était pas en colère contre quoi que ce soit, il était simplement en colère. Juste comme ça.
ce qui est difficile à faire pour vous. Vous avez besoin d'une raison pour être en colère. Quelqu'un doit faire quelque chose que vous n'aimez pas, alors seulement vous êtes en colère, vous n'êtes pas simplement en colère. Et par-dessus tout, la colère est quelque chose qui coûte tellement d'énergie. La plupart des êtres humains ne peuvent pas être en colère intensément plus de 2 minutes. Elle va se dissiper. Ils peuvent maintenir de la rancœur, ils peuvent maintenir du ressentiment. Voyez, chaque fois que vous avez été en colère, regardez, c'est juste quelques secondes ou peut-être 1 minute. Après ça, vous ne faites qu'entretenir du ressentiment. Le ressentiment est un petit feu, de la colère à petit feu. C'est comme un poison lent. La colère est un vrai poison. Rester comme ça tout le temps, sans être tué, ce n'est pas facile. Donc c'est une certaine forme de sadhana. Cela vient d'une culture qui s'est développée du fait d'une situation extraordinaire. Parce qu'Adiyogi lui-même, quand il est arrivé dans les montagnes Viliyangiri, il était en colère contre lui-même. Parce qu'il avait échoué, il n'est pas du genre à aimer échouer. Parce qu'il n'est pas habitué à l'échec. Donc quand il a échoué, il était juste en colère. Ça lui a pris 3 ou 3 mois et demi pour se calmer un peu. À cause de ça, il a laissé un certain genre d'énergie et a cultivé un certain genre de yogis qui ont fait la même chose, parce que ce sont des acolytes. Quoi que fasse Shiva, ils font la même chose. Comme beaucoup de gens, comme ils ont vu Shiva couvert de cendres de la tête aux pieds, ils se sont aussi couverts de cendres. Comme il avait l'air intoxiqué et qu'il n'y arrivait pas, ils ont commencé à fumer. Ils sont juste mignons. Ils sont tellement amourachés de lui qu'ils veulent être comme lui d'une certaine façon. Ils portent un trishul, toutes ces choses, c'est une certaine culture qui s'est développée comme ça. Donc, Sadhguru Sri Brahma vient de ce genre d'endroit. Et par-dessus tout, l'échec. Il ne voulait pas que sa vie soit déviée un seul instant. Donc il s'est mis une punaise dans la tête. Pour que, quand il y a de la douleur, vous ne pouvez pas penser à quoi que ce soit d'autre. Vous pouvez essayer pour voir. Prenez juste une punaise de bureau et plantez-la. Vous verrez, vous ne pourrez pas penser à quoi que ce soit d'autre. Toute votre attention sera là où vous l'avez plantée. Donc il s'est planté une punaise dans la tête pour que la douleur le maintienne là-dessus, en permanence, la douleur de l'échec. Autrement, en mangeant un bon repas, vous pourriez oublier votre échec. La vie tourne bien autour de vous, c'est une belle soirée, vous allez oublier votre but. Donc il ne veut pas échouer cette fois. Donc il se met une punaise dans la tête, donc il était comme ça. Vous savez que si quelqu'un a mal, il se met très facilement en colère aussi. Vous avez mal, quiconque vous touche. Donc, même si quelqu'un passe à côté, parce que une douleur consciente créée afin que pas regarder ici ou là, juste ça. Ne prenez pas ça en exemple. Eh bien, je suis là. Moi aussi, je peux vous crier dessus si vous voulez, si c'est ce que vous aimez. Le plus important est que ce soit conscient, que ce ne soit pas compulsif. Donc si vous en êtes sorti et que ça vous manque, ça peut arriver. Oui. C'est ça le truc avec la conscience.
J'ai vu cela arriver à des gens autour de moi, parfois. On les initie à quelque chose de grand, une grande énergie. Au bout de 3 jours, ils vont se ruiner eux-mêmes, parce qu'ils ont de drôles d'idées sur ce qu'ils peuvent en faire. Dès qu'ils se sentent un peu comme ça, ils pensent, on peut guérir ce gars, on peut faire ça, on peut manipuler ceci, cela. En 3 jours, ils sont complètement dérangés. Malheureusement, j'ai été témoin de quelques incidents de ce genre, mais je dois vous en raconter un autre, un classique. Eh bien, il y avait une fille qui avait un problème d'asthme très sévère, du genre où toutes les 2 semaines, elle est à l'hôpital pour 2 ou 3 jours, simplement incapable de respirer. La plupart des gens en bonne santé ne comprendront probablement pas ce qu'est l'asthme. En ce moment, j'entends que ce virus cause ce genre d'expérience. C'est comme de se noyer. Votre respiration s'échappe, mais ne s'en va pas. Toute la nuit, ça va ruiner le corps. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de, vous savez, cortisone et stéroïdes et autres, donc ça soulage les gens. Autrement, si vous aviez vu des asthmatiques il y a 30 ou 40 ans, oh mon Dieu, j'ai vu des cas extrêmes. Ça durait pendant des heures. Ils supplient littéralement, ils veulent mourir. Mais pas moyen de les soulager. Aujourd'hui, dès que ça arrive, ils vont prendre des stéroïdes et autres, ça va juste les calmer. Vous ne voyez plus personne souffrir comme ça. Ils peuvent facilement gérer la chose, il y a assez de médicaments. Donc, un cas extrême d'asthme. Alors, j'ai vu cette fille, spirituellement intense, mais dont le corps n'aidait pas. Alors je me suis écarté de ma ligne de conduite et j'ai fait quelque chose pour elle. L'asthme est parti. Environ 1 an et demi plus tard, elle partage dans un programme et elle dit, « J'étais asthmatique depuis mon enfance et j'ai énormément souffert. Mais maintenant, c'est parti depuis 1 an et demi, c'est magnifique. » Et puis elle dit, « Ça me manque presque. » J'étais assis là et j'ai dit, « Quoi ? Ça vous manque ?» Eh bien, elle l'a eu cette nuit-là. C'est ainsi qu'elle a vécu. Donc, ne demandez pas ce genre de choses. Gardez vos yeux sur la chose que vous voulez. C'est important parce que, au fur et à mesure que vous vous développez en termes de conscience humaine, il est très important que vous teniez le volant droit. Une fois que vous avez un véhicule qui est rendu puissant, très puissant, si vous regardez par ici, vous irez vous écraser là. Si vous regardez par là, vous irez vous écraser là. Mieux vaut que vous soyez un véhicule immobile, comme le sont la plupart des gens. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahāyā.